Donc, bon matin, bon après-midi tout le monde. Je pense qu'on va commencer maintenant. Donc, au nom du comité d'organisation de l'exposition et du symposium Écran Total, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Moi, je suis Magali Hull, je suis professeure au département de sociologie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et membre chercheuse du CELAT, le Centre et Laboratoire de Recherche Culture, Arts, Société. Et donc, c'est moi qui vais introduire cette rencontre matinale ou d'après-midi plutôt, puisque nous sommes avec des invités qui sont en direct de Genève. Donc, pour commencer, ce qu'on aimerait, c'est souligner que les terres sur lesquelles est bâti le centre de design de l'UQAM font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie entre les peuples autochtones, notamment la nation Ganyangé-Aga. Nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine. Donc, bienvenue donc dans ce nouvel événement donc, de notre programmation Écran Total. Donc, présentée au Centre de design de l'UQAM à Montréal, l'exposition Écran Total accueille pour la première fois au Canada les photographies du philosophe Jean Baudrillard, qui sont mises en dialogue avec les œuvres d'Adam Bazanta, Charlie Doyon, Clint Hens, Mischa Henner et Vazem Bathy, Pénélope Imbrico et Chouane Yé. Donc, en compagnie de penseuses et de penseurs marquants des images et du numérique, des conférences, comme aujourd'hui, des tables rondes et des ateliers interrogent les différents rôles et places de l'image et de l'écran dans nos pratiques sociales et culturelles quotidiennes et prolongent justement réflexivement l'expérience donc de l'exposition. La journée d'aujourd'hui, elle s'ouvre en fait avec une conférence commune d'Anaïs Bloch et Nicolas Nova, qui ont récemment écrit donc un excellent ouvrage dont nous allons amplement parler. C'est une conférence, comme vous le voyez, qui est en traduction aussi LSQ, c'est-à-dire la langue des signes québécoise. Donc, je remercie donc aux participants et aux participantes, aux questions et aux panélistes de faciliter donc le travail des interprètes en parlant relativement doucement, mais normalement, il n'y a aucun problème. Un petit détail technique, si vous allez pour une meilleure en fait, expérience de visionnement de la conférence, si vous allez en haut à droite de votre Zoom, vous avez une section affichage et il faut mettre dans ces cas-là le mode, je vérifie en même temps, intervenant, ce qui vous permet d'avoir uniquement le panel à l'écran. Donc maintenant, avant de lui céder la parole, je vais présenter Carole Lévesque qui va animer cette rencontre. Donc, marcher, photographier, dessiner, cartographier. Le travail de Carole Lévesque consiste à explorer les formes de représentation du territoire urbain, ses temporalités et ses usages. Elle est cofondatrice du bureau d'études de pratiques indisciplinées et membre chercheuse au CELAT, le Centre de recherche culture art société. En plus de son travail de recherche-création qui a fait l'objet d'expositions et de publications internationales, elle a collaboré avec des équipes commissariales au Centre de design de l'UQAM et à la Maison de l'architecture du Québec. Elle détient un doctorat en aménagement, histoire et théorie de l'architecture et une maîtrise professionnelle en architecture. Et elle est depuis 2012 professeure à l'école de design de l'UQAM, où elle enseigne la théorie et les pratiques du design. Donc maintenant, Carole, je te laisse la parole. Merci Magali. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Ça me fait très plaisir de rencontrer Nicolas Nova et Anaïs Bloch. J'ai beaucoup apprécié leur livre dont ils vont nous parler ce matin. Donc, rapidement, Anaïs Bloch donc, travaille comme artiste, enseignante aussi dans le domaine de la recherche, notamment à la HED à Genève et à l'Université du Luxembourg. Elle est également membre du collectif de dessinateurs et dessinatrices Marie-Louise. On aura peut-être l'occasion d'en entendre un peu plus longuement parler tout à l'heure. Nicolas Nova, quant à lui, est cofondateur du Near Future Laboratory et professeur associé à la HED également à Genève, où il enseigne l'ethnographie et l'anthropologie des cultures numériques. Donc, on les accueille ce matin. Nous parler en fait de cet ouvrage que Magali a nommé tout à l'heure, donc le Doctor Smartphone Ethnography of Mobile Phone Repair Shops, et qui prend donc l'exemple d'une enquête sur les pratiques de réparation et de maintenance des téléphones intelligents, soit dans les boutiques de réparation, dans les hackerspaces ou dans les cafés de réparation. Et cette présentation, donc,
devrait traiter de la place donnée aux matériaux visuels, tant dans la phase de terrain que dans la formalisation de la restitution, donc de la recherche. On discutera aussi du rôle attribué aux illustrations, aux photographies et à l'édition graphique de l'ouvrage qui a été tiré de cette enquête donc sur la réparation des smartphones. Et ce faisant, mais cette intervention va aussi décrire le caractère situé de ces décisions prises en cours de recherche en lien avec le questionnement donc posé par la recherche et le type de terrain qui a été abordé. Donc, Anaïs et Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a très hâte d'en apprendre davantage sur ce livre très beau dont on pourra discuter après, donc, avec les gens qui sont à l'écran avec nous. On dispose d'à peu près 50 minutes pour votre présentation, à la suite de quoi on pourra ouvrir aux questions posées par les gens qui nous accompagnent ce matin. Alors, je vous cède l'écran. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je fais juste un petit partage d'écran. Voilà. Normalement, c'est bon, vous devez voir l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer à présenter, puis avec Anaïs, on se passera la parole. Donc, l'objectif hein, de cette présentation, c'est d'abord sur la base, enfin, de vous présenter l'enquête qu'on a réalisée, hein, pourquoi on s'est intéressé aux réparateurs et quelques réparatrices de smartphones. Et puis, dans un deuxième temps, je pense qu'on aura plus le temps d'aborder ça dans la discussion, de revenir sur certains choix formels de comment est-ce qu'on a rendu compte de ce terrain, comment est-ce qu'on a réalisé cette enquête. Donc, le point de départ, hein, et vous avez vu un livre qui a circulé dans les 15 Zooms, c'est ce livre hein, que Anaïs et moi avons, sur lequel on a travaillé hein, ces dernières années. Là, c'est Anaïs et moi, mais il faudrait aussi mentionner le fait que c'est un livre qui a été réalisé graphiquement par Raphaël Vérona, qui est un graphiste à Lausanne, et puis qui a été édité dans une maison d'édition qui s'appelle IDP, qui est aussi à Lausanne en Suisse. C'est important parce que tout ce petit monde a travaillé en fait sur certains choix qui peuvent être éditoriaux, qui peuvent être formels, et sans lesquels le résultat serait très différent. Alors, peut-être pour commencer, en fait, avant de rentrer dans la question méthodologique, juste un pourquoi on s'est intéressé à ce thème, hein, pourquoi la réparation des smartphones, des téléphones intelligents. Je m'intéresse à la question des usages du numérique hein, depuis une quinzaine d'années. Hein, je suis un socio-anthropologue des usages du numérique qui officie dans une école d'art et de design. Et globalement, j'ai été frappé hein, dans les 10 dernières années d'une espèce d'injonction paradoxale, c'est-à-dire une double demande qui va d'un côté hein, à un changement dans lequel on nous incite d'être plus à utiliser les objets numériques, les médias numériques, hein, et notamment ça qui se caractérise dans le monde de l'économie par des livres hein, produits qui sont produit ici à Genève, au World Economic Forum, par des gens qui nous incitent en fait à transformer notre monde au travers des technologies numériques, dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère quotidienne. Et puis d'un autre côté, hein, ce mouvement est de crainte d'une incitation à faire une transition écologique, hein, à faire attention à la planète, au risque sinon d'un effondrement civilisationnel et environnemental hein, que j'ai représenté ici par le livre de Naomi Oreskes et son collègue. Et donc, ces deux injonctions au changement, elles sont évidemment elles sont difficiles à combiner. Hein, c'est-à-dire que vouloir à la fois mettre du numérique partout, si je caricature, et faire attention à l'environnement, c'est difficile. Et dans un travail antérieur sur le smartphone, qui a donné lieu ensuite au projet dont on va vous parler, je me suis intéressé à la façon dont les gens, les utilisateurs et utilisatrices lambda de smartphones, comment ils vivent ou elles vivent cette injonction paradoxale. Et notamment, alors une solution qui est couramment trouvée, c'est celle d'avoir des smartphones hein, qui sont plus respectueux de l'environnement ou d'une certaine forme de justice sociale pour les gens qui les conçoivent
qui vont chercher les minerais dans d'autres pays du monde. Et donc, ça donne des choses comme Fairphone, hein, qui est un smartphone que vous voyez ici, produit par une société hollandaise. Donc ça, c'est la manière dont on nous en parle souvent, et dont certains usagers de téléphones intelligents vont trouver une solution pour faire durer, en fait, leurs objets technologiques et pas sans cesse les renouveler, ce qui est problématique pour la planète. Une autre solution qui m'a pu s'intéresser et qui nous a amené ensuite à travailler avec Anaïs, c'est de constater que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a un mouvement croissant de lieux de réparation de smartphones, de téléphones intelligents, au même titre que d'autres objets électroniques. Là, vous avez une image qui vient, je crois qu'elle est à Marseille, en France, de ces lieux. Alors, ce lieu est assez symptomatique, hein, avec son nom Dr. IT, hein, Dr. Information Technologies, et qui montre en fait comment autour de nous a émergé une sorte de, à la fois d'économie, hein, de petites boutiques, mais également, hein, dans d'autres sphères moins tournées vers l'économie marchande, des hackerspace, des cafés de réparation, dans lesquels des collectifs vont essayer de faire attention, de prendre soin des objets numériques pour les faire durer, et avec l'espoir évidemment que ça permettrait de réduire en fait notre empreinte sur cette planète. Alors dans ce cadre-là, hein, là c'est la vision un peu terrain empirique, hein, de constat. Ce travail, il est aussi ancré dans tout un mouvement, hein, dans tout un champ de recherche, hein, en sociologie, en anthropologie, qui s'intéresse en fait plus uniquement à l'innovation sous forme de nouveautés techniques, voire sociales, mais qui s'intéresse aussi à comprendre que les enjeux de réparation, de maintenance, hein, en anglais on parle de care, hein, un terme qui est souvent associé à ces expressions, donnent lieu en fait à tout un ensemble de travaux qui nous incitent, hein, à faire attention à comment les objets durent, comment est-ce qu'ils ont, dans la durée des usages, un certain soin qu'il aurait apporté, hein, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça fournit, on va dire, le point de départ en fait de cette idée de faire une enquête, hein. Il y a souvent ce genre de contexte, on va chercher des fonds, donc voilà, j'ai cherché au Fonds national de la recherche suisse, hein, des fonds il y a quelques années, et au Splendeur, les fonds obtenus, on a pu commencer à travailler. Et donc, j'ai travaillé avec Anaïs Bock sur ce thème, avec la question de recherche qui nous préoccupait, c'est comment ces espaces, ces lieux de réparation participent en fait d'une nouvelle forme de durabilité des objets techniques numériques. Une durabilité qui est souvent soit méprisée, soit mal connue. Et comment, au travers d'une enquête sur ces espaces, on pourrait en fait mieux connaître ces pratiques, ces façons de faire, et saisir éventuellement le rôle que pourraient jouer dans le futur ces lieux de réparation. Et également, alors ça on n'en parlera pas ici, mais comment, dans le contexte d'une école de design, tout ça peut être intéressant pour la conception des objets technologiques comme les smartphones, mais également des applications. Donc, je vais passer la parole maintenant à Anaïs pour la partie plutôt méthodologique de comment on a procédé dans cette enquête. Et Anaïs, tu n'oublieras pas de me dire quand je dois changer de diapo. D'accord. Donc, effectivement, donc pour ce qui a concerné, enfin pour répondre à ces questions évoquées par Nicolas, on a travaillé en employant de l'ethnographie multisituée. Et c'est entre autres dans ce contexte que je suis intervenue dans le cadre du projet. Et l'idée était donc de visiter les espaces de réparation, les événements aussi en lien avec la réparation d'objets numériques en Suisse, dans différentes villes, notamment Lausanne, Zurich et Genève, et également de regarder un petit peu ce qui se passait en ligne sur des communautés de forums d'utilisateurs et d'utilisatrices pour avoir une idée globale du phénomène sur le territoire suisse. Donc, dans cette idée, l'idée a été de visiter les différents espaces, identifier, donc Nicolas, tu peux descendre dans le document. Dans un premier temps, l'idée a été d'identifier justement tous les magasins
non agréés qu'on pouvait trouver sur Internet et d'essayer de les cartographier pour avoir une idée un petit peu de où les trouver pour ensuite pouvoir les visiter. Donc, dans ce contexte, ça a été effectivement pas forcément facile au premier abord. Donc, c'est vrai qu'une fois que les magasins étaient cartographiés, on a passé du temps à essayer de créer un premier contact avec les personnes qui travaillaient dans ces espaces et d'essayer de comprendre un petit peu ce phénomène de la réparation de smartphones. Et étant principalement en charge de cet aspect-là, j'ai commencé à rencontrer quelques difficultés lorsque j'expliquais aux personnes qui travaillaient dans ces boutiques la raison pour laquelle j'étais là, parce que j'ai tout de suite été assez transparente en leur expliquant qu'on travaillait sur un projet de recherche. Et souvent, en tout cas au début du projet, j'ai rencontré une difficulté à passer du temps dans ces espaces et à pouvoir justement effectuer le terrain correctement. Donc, l'une des premières choses que j'ai fait afin de pouvoir quand même essayer d'expliquer en fait aux gérants et aux gérantes des magasins que j'avais pas l'intention d'ouvrir également un magasin, que je faisais pas de l'observation pour ensuite pouvoir également ouvrir un magasin de réparation, j'ai commencé à utiliser le dessin comme outil d'observation et de documentation. Et grâce à des visuels dessinés, ça m'a permis de rentrer en contact avec certaines personnes qui ensuite ont eu confiance et ont compris que j'essayais pas de m'emparer, disons, de leur savoir et de leur technique. Nicolas, tu peux descendre dans le document. Donc, au-delà des dessins que je vous montrerai un peu plus tard dans le support, on a travaillé aussi avec d'autres outils comme la photographie et comme la vidéo, ce qui nous a permis de documenter les différents gestes, les différentes pratiques qu'on a pu découvrir dans ces espaces. Et c'était un outil, disons, la vidéo permettait de discuter avec les techniciens et les techniciennes pendant que ces derniers étaient en train de réparer les objets cassés. Et donc, on a utilisé la vidéo et la photographie. Ça permettait également de documenter les espaces avec toute leur complexité et leur curiosité et de pouvoir ensuite avoir un regard différent dans un deuxième temps. Donc, c'est vrai que la photographie permet également de photographier des plans larges sur justement la vitrine, l'extérieur de la boutique, mais aussi à l'intérieur, et de documenter aussi des choses beaucoup plus précises sur lorsqu'on prend des plans serrés avec des documents de travail qu'utilisent les personnes dans ces lieux. Comme je vous le disais précédemment, l'emploi du dessin a été justement le premier outil utilisé pour documenter ce projet de recherche. Et bien évidemment, ça permettait d'obtenir de produire différentes données de recherche. Et le choix de l'outil, que ce soit la vidéo, la photographie ou le dessin, dépendait toujours du contexte et du moment. Donc, on a décidé avec Nicolas de respecter d'une certaine manière l'anonymat des personnes avec qui on a travaillé. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on pouvait voir les visages des personnes dans les boutiques, je redessinais en fait les photos dans un deuxième temps pour préserver leur anonymat et aussi pour mettre en valeur certaines actions, certains gestes ou certains objets. Tu peux descendre dans le document. Donc, de retour au bureau, on a aussi travaillé dans l'espace. On a utilisé le bureau de la HED, de la Haute École d'Art et Design à Genève, comme lieu de réflexion et on a utilisé le mur pour y présenter toutes les données produites durant le terrain comme espace de réflexion et pour les considérer comme un tout, pour les sortir un petit peu de nos dossiers sur ordinateur et d'avoir un regard un peu plus complet, disons, sur ce qu'on observait et sur,
sur ce qu'on réalisait en fait au cours du projet. Ça nous permettait également de discuter du coup entre nous, d'avoir justement un regard un peu plus commun sur des espaces et des moments qu'on documentait pas forcément en même temps avec Nicolas. On a également travaillé sur des objets intermédiaires, des fanzines qui sont des petits magazines qui ont été produits durant ces 2 années de recherche terrain, qui nous ont aussi permis de visuellement et avec différents types de données visuelles, photographiques, textuelles, également avec du matériau qui provient d'Internet, de figer certains moments du projet et de parfois également explorer des thèmes qui nous paraissaient intéressants, comme par exemple les gestes de la réparation. Donc il y a eu 6 fanzines qui ont été produites durant le projet de recherche, et l'un des fanzines traite des gestes de la réparation, donc d'effectuer en fait ce travail de mise en page et de visualisation dans le cadre du fanzine nous permettait aussi de réfléchir un peu plus loin, disons, sur des thèmes qui nous intéressaient. Ça nous permettait également de communiquer le projet lors de conférences, donc avec d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, et aussi de pouvoir discuter avec les personnes rencontrées dans les magasins de réparation, de pouvoir leur montrer où on en était dans le cadre du projet, et également d'obtenir leurs commentaires sur ce que eux, en tant que personnes sachant réparer, ressentaient ou pensaient de là où on se trouvait dans le projet. On a également travaillé donc sur un projet un peu périphérique. Donc dans le cadre du projet de recherche, je me suis rendue en Chine pour explorer des questions périphériques avec un autre groupe de chercheurs, et nous avons également travaillé, donc on a aussi souhaité produire un fanzine dans le cadre de ce séjour en Chine, comme un objet, disons, carnet de voyage qui documentait le laps de temps passé sur ce terrain d'enquête. Et ce qui était intéressant en l'occurrence, c'est qu'on a même été jusqu'à organiser un workshop avec des participants et des participantes afin de proposer un moment de workshop pour relier le fanzine ensemble, donc un atelier plus pratique, disons, comme objet de réflexion collective sur ce qu'on avait observé durant ce séjour. Un autre aspect qui est apparu durant le projet, comme le disait Nicolas précédemment, c'était l'envie de retranscrire des scénettes ou des moments anecdotiques du terrain, qui émergeaient lors de la visite de ces lieux, de manière séquencée. Et c'est un peu de cette façon que la bande dessinée a commencé à apparaître comme étant un outil assez adéquat pour documenter non seulement des scènes qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de photographier, parce que tout simplement, elles étaient en train de se dérouler et que voilà, je n'avais pas forcément le temps de sortir mon appareil photo pour figer l'instant, sachant qu'effectivement, je passais de longues périodes dans ces espaces, je n'avais pas toujours mon appareil sous la main. Et l'idée était également justement de pouvoir représenter les personnages tout en leur donnant voix et en pouvant avoir une trace un peu plus visuelle et peut-être un peu plus accessible également pour communiquer ce qu'on découvrait au cours de l'enquête. Donc, je vais du coup maintenant laisser la parole à Nicolas qui va également parler de l'aspect graphique. Donc, on a décidé d'utiliser ces bandes dessinées pour la publication que Nicolas va vous présenter. Et donc, je te laisse prendre présenter la suite du projet, Nicolas. Merci Anaïs. Alors, donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est un projet qui a d'enquête de terrain, d'enquête ethnographie, c'est-à-dire un milieu où ces gens, la plupart, travaillent dans un milieu d'interconnaissance, qui se connaissent, et qui fait que quand on a 2 ans d'entretien, Anaïs ne l'a pas mentionné, mais elle a fait un stage dans un de ces magasins pendant plusieurs mois, certaines boutiques, on est retourné dedans, donc il y a une matière qui est extrêmement riche, hein. Vous voyez des photos, des vidéos, des dessins, des plans, hein, vous avez vu sur le mur. Une question qui est venue en cours de route, hein, à peu près, je pense qu'à la,
à peu près à un an après le début du terrain, c'était de se dire, mais comment on rend compte de tout cela? C'est-à-dire, comment on restitue d'une manière pertinente par rapport aux questions de recherche qui nous intéressaient, par rapport à la matière que l'on avait produite, mais également qui soit, on va dire, aussi qui ait une certaine qualité par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est une forme de recherche, évidemment, socio-anthropologique, en sciences sociales, mais faite dans un contexte d'école d'art et de design. Et donc, cette question de la recherche-création, elle est venue pas uniquement dans les moyens dont a parlé Anaïs, mais elle est venue aussi dans la façon de produire ces formes de restitution au-delà des fanzines. Et donc, une manière de voir comment produire ce livre est venue, en fait, de manière assez... une façon de réunir toute cette richesse, c'est de se dire, mais on a affaire à un certain nombre de personnes hein, dans ces différents contextes de grandes villes suisses, et une façon de bien les restituer pourrait consister à utiliser un format qui est assez courant en anthropologie, qui consiste à faire des portraits. Les portraits, soit biographiques, soit des vignettes, on dit, ethnographiques, hein, c'est-à-dire des extraits de situations qui ont été vues sur le terrain et qui sont resituées dans le contexte des personnes qui les vivent. Et donc, ce qu'on a choisi de faire hein, au travers de notre matériel d'enquête, c'est de distinguer 16 profils hein, de réparateurs et quelques réparatrices, de ces à la fois boutiques, hackerspace et organisateurs, organisatrices de cafés de réparation qui permettraient de donner à voir en fait hein, tous ces résultats dont je parlerai ensuite. Donc le livre il se présente hein, de manière assez classique d'un point de vue académique. Il y a une intro et une conclusion qui est très académique, mais au milieu il y a 16 portraits et chacun de ces portraits consiste à montrer de manière plurivoque, c'est-à-dire avec plusieurs facettes, plusieurs voies. D'abord, une description du lieu vu de l'extérieur, par nous en tant qu'observateurs, observatrices. Des photographies qui permettent de faire écho à cette description textuelle, hein, qui mettent l'accent sur des images ou des situations qu'on a pu voir ou mettre dans les fanzines précédemment. Hein. Vous voyez ces images détourées sur la droite. Et ensuite, un portrait, deux portraits des personnes qui tiennent ces boutiques. Hein. Là, il y a une personne qui a une boutique à Genève et en même temps à Lyon, hein, en France. Hein. Donc, il y a son portrait qui est présent sur la page de gauche. Et puis ensuite, une série de vignettes de bandes dessinées qui peuvent être, alors parfois ça peut être des vignettes indépendantes, parfois ça peut être une petite histoire qui permettent de donner à voir ce que traditionnellement dans un livre d'anthropologie on écrirait textuellement sous la forme d'une description. Là, le fait de réutiliser la matière qu'on avait qui provenait en fait de cette contrainte de terrain d'Anaïs hein, qu'elle a mentionné, le fait de se faire accepter était une manière de les retravailler, de les revaloriser pour saisir en fait différents enjeux. Et comme un de nos objectifs, ce n'était pas uniquement de parler à nos pairs et à IRS, et à IRES, donc des chercheuses et chercheurs, mais aussi à des gens qui travaillent dans ces espaces ou à nos étudiantes et étudiants. Ça donne un format en fait, qui permet en fait, de, si on n'a pas forcément envie, on ne lit que les bandes dessinées. Si on a envie de rentrer plus en détail, on regarde les portraits et les textes. Et si là, on a vraiment le temps et on veut aller regarder l'analyse plus approfondie, on lit l'ensemble avec un glossaire final hein, qui décrit également les termes techniques qui sont abordés là-dedans. Donc, voilà en gros la question des choix, on pourrait dire, d'éditorialisation du matériau d'enquête, avec ensuite hein, tout le travail de Raphaël Vérona, qui est graphiste, ça a été de choisir notamment ses couleurs. Hein, la couleur métallique est un renvoi en fait, à certains modèles de couleurs métalliques, de modèles de téléphone portable, de tablette hein, et d'ordinateur. Les polices de caractère, telles que vous pouvez les voir sur la couverture, ce sont, vous les avez peut-être reconnues, les polices de caractère des marques de téléphone intelligent. Donc, il y a comme ça un certain renvoi entre le fond et la forme qui peut être vu de l'ordre du clin d'œil, mais aussi comme manière d'ancrer cet objet dans la vie de ces boutiques, de ces lieux. Alors, peut-être pour continuer la, 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 la,
enfin, donner un peu plus de matière à la discussion tout à l'heure, on va vous présenter quelques enseignements, en fait. Il serait complètement illusoire de tout présenter maintenant, mais présenter quelques grandes leçons, en fait, hein, de cette enquête. Et là encore, en montrant avec des, enfin, quel genre de matière, hein, on a pu produire ou restituer, en fait, dans le livre pour justement répondre à nos questions de recherche. Donc, la première thématique que l'on aborde dans l'ouvrage, c'est celle de la diversité des lieux. C'est-à-dire que ces espaces de réparation, hein, quand on dit voilà, boutique de réparation, il y a plusieurs types de boutiques qui existent, hein, qui peuvent aller du Fab Lab, Hackerspace de quartier qui est dans un container ici à côté de la gare à Genève, des boutiques qui sont voilà, non affiliées à des marques et qui participent d'une économie parfois un peu difficile. Hein, on voit qu'il y a c'est écrit peut-être petit, mais il y a marqué à remettre, c'est-à-dire que la personne qui a cette boutique, visiblement, on doit s'en séparer parce que ça ne tourne pas bien économiquement, et que cette diversité des lieux, elle n'est pas à opposer. C'est-à-dire que parfois, les gens des boutiques renvoient au hackerspace, parfois les gens des hackerspace renvoient aux boutiques quand il y a des opérations qu'ils ou elles ne savent pas faire dans un hackerspace, ou parfois quand il y a un besoin ou une nécessité précise, une boutique peut amener à recommander une autre boutique ou quelqu'un, un réparateur qui serait plus spécialisé, par exemple, pour reconditionner, hein, c'est-à-dire remettre à quasi à neuf des écrans. Et donc, on a constaté comme ça toute une diversité de ces lieux avec un phénomène assez frappant, hein, qui est important à rapporter visuellement, c'est la manière dont la métaphore médicale, ou en tout cas la vision superficielle de la métaphore médicale était convoquée dans ces boutiques, hein, au travers d'une décoration, d'un décor, d'une espèce de, on pourrait dire même une scénographie qui, voilà, qui relève en fait de la salle d'opération. Alors, c'est le moment où quand il y a quelqu'un qui veut rentrer et que je suis co-host, je ne peux plus partager l'écran. Je peux vous changer de slide, je suis désolé, donc je vais devoir refaire un partage. C'est un bug de Zoom, je suis désolé. Voilà. Donc cette métaphore médicale très, très présente et qui a amené dans les échanges avec certains réparateurs à mettre en avant leur rôle comme des sortes de docteurs smartphones, de personnes qui allaient pouvoir soigner les objets technologiques et ce faisant, soigner les propriétaires des téléphones intelligents qui posent problème. Et puis peut-être un dernier mot avant de passer la parole à Anaïs, un mot sur les types de opérations, hein, pour reprendre la métaphore, qui se produisent dans ces boutiques. Vous avez peut-être en tête, hein, pour être venu plusieurs fois dans des boutiques similaires à Montréal, je pense que c'est similaire. Voilà, on a en tête l'écran cassé, mais globalement, l'écran cassé, c'est un type d'intervention parmi d'autres. Sur cette question de la durabilité des objets comme le smartphone dont j'ai parlé au début, il y a aussi toutes sortes d'interventions sur les logiciels, hein, le software, au travers d'un certain nombre de services, le transfert de données, la récupération de données d'un appareil qui serait abîmé, le fait d'installer ou de reparamétrer certaines applications, etc., etc., avec des prix qui peuvent être de plus en plus croissants, hein, pour les opérations qui sont les plus compliquées. Hein. Et puis, un point qui est à relever, donc là, je reviens dans le matériau d'enquête visuel sous forme de dessin. Un point important, c'est aussi la dimension plus ou moins légale, plus ou moins autorisée de certaines interventions. Hein. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais cette question de ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé comme opération, mais également sur le statut des personnes qui réparaient, hein, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont pas toujours des gens qui ont un permis de travail ou de résidence en Suisse, était une question qui participait, hein, d'une espèce d'ambiguïté de ces espaces qui sont parfois situés dans des quartiers plus ou moins interlopes, ou en tout cas qui peuvent être amenés à
c'était pas général, mais dans certains cas, en fait, pouvait amener la police à venir voir ce qui s'y passait, avec des craintes de vol de téléphone, de recel, voire de personnes qui étaient là sans permis de travail. Je vais sauter. Du coup, Anaïs va vous parler maintenant d'un autre aspect qui est revenu régulièrement dans notre enquête, c'est celle de comment on répare des objets dont on n'est pas censé, qu'on n'est pas censé réparer parce que leur réparation n'est pas très explicitée par les marques et ça nécessite de construire des techniques de réparation. Voilà, donc c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'avais un peu en tête l'idée que les principales technique consisterait potentiellement à réparer des écrans LCD. Et au fur et à mesure du terrain d'enquête, donc on a réalisé que les différentes techniques étaient relativement multiples et que ça allait parfois de gestes très simples, comme ici on peut le voir sur cette image donc, de gauche, où il s'agit, donc on voit le technicien qui retire de la poussière du téléphone, à des opérations bien plus complexes, comme sur l'image de droite, où il s'agit ici plutôt de micro-soudure. Donc, la micro-soudure, c'est une technique, d'ailleurs, c'est la technique la plus complexe, je pense, que j'ai pu observer, qui consiste à souder des micro-composants électroniques sur la carte mère, donc l'élément central qui permet au téléphone de fonctionner. Et donc, ces différentes techniques vont souvent dépendre, disons, l'emploi de ces techniques et puis le degré d'expertise dépendra souvent des techniciens et des techniciennes rencontrés, de leur niveau de motivation et de leur propre savoir, de leur capacité, disons, à diagnostiquer les différentes pannes et également, typiquement pour la micro-soudure, d'être capable de lire, de reconnaître des micro-composants et de lire, d'interpréter des schémas électroniques. Donc, de manière générale, il s'agira plutôt de réparer la partie matérielle du téléphone, mais on verra aussi parfois des réparations plus d'ordre logiciel, justement, comme le disait Nicolas précédemment. En ce qui concerne l'expertise et l'apprentissage, c'est vrai qu'on a constaté le fait qu'il n'y avait pas forcément de cours ou d'école pour devenir technicien ou technicienne de smartphone et qu'il existait différentes manières donc d'atterrir dans ces boutiques. Alors souvent, il s'agissait de personnes autodidactes qui avaient appris depuis toujours à démonter des objets, qui s'intéressaient aussi au fonctionnement des objets techniques et qui avaient ce savoir déjà, disons, avant de commencer à travailler dans ces espaces, ou d'autres personnes qui apprenaient justement en découvrant qu'il y avait ici une opportunité de travailler dans ce domaine-là. On a réalisé aussi que tout ça pouvait parfois générer quelques frustrations donc, entre justement des différentes personnes qui travaillaient dans ces espaces et qu'on constatait parfois que certains techniciens gardaient justement leur savoir de façon un petit peu secrète, alors que d'autres étaient beaucoup plus dans l'envie de partager en mettant en ligne des tutoriels ou en expliquant justement, comme on peut le voir sur l'image de droite, comment fonctionne un téléphone. Là, ici, il s'agit d'une sorte de sculpture qui a été pensée par l'un des techniciens qui, ne parlant pas très bien français, souhaite avoir un objet qui lui permet justement d'expliquer aux clients qui viennent visiter la boutique comment fonctionne son téléphone, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, donc qui utilise en fait cet objet comme outil de communication avec la clientèle. Donc, un autre aspect qui nous a beaucoup intéressé, donc j'en ai parlé précédemment, c'était la notion du geste et le caractère incorporé de ces pratiques. Donc, bien souvent, on observait justement le rapport au corps et l'utilisation du corps comme ressource principale pour déjà identifier la panne et diagnostiquer quels étaient les différents problèmes que pouvaient rencontrer les objets techniques apportés dans ces espaces, mais aussi comme outil qui permettait justement de démonter l'objet,
de nettoyer certaines parties du téléphone ou encore l'utilisation des ongles principalement était assez souvent documenté. Et d'ailleurs, on a, comme je le disais précédemment, travaillé sur un magazine consacré uniquement à ces gestes qui nous a permis de relever justement l'importance de ces gestes qui sont souvent des gestes très délicats. Donc, souvent, les personnes qui sont capables de réparer un téléphone doivent être patients et être capables justement de savoir à quel moment et quel type de geste effectuer pour ne pas endommager en fait certaines parties du téléphone, parce qu'il faut savoir que souvent c'est des objets qui sont extrêmement fragiles et du coup certaines des pièces peuvent se casser assez facilement. Donc une autre manière de tester et de construire tout ce savoir en fait sur le terrain, disons de manière empirique, donc par les différentes réparations, et c'est souvent justement le fait de tester sur des modèles. Donc il y a une certaine forme d'acceptation de la casse dans ces boutiques qui nous a paru assez importante, et notamment comme on peut le voir sur cette planche de bande dessinée à gauche, donc où il s'agit donc d'un fragment d'une conversation entre des techniciens qui parlent du fait que souvent ils doivent casser des objets pour apprendre à comment les réparer. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de l'iPhone 7 qui a dû être, entre guillemets, massacré pour qu'on comprenne en fait quelles étaient les techniques adéquates pour réparer cet objet. Sachant aussi que pour chaque modèle, chaque nouveau modèle qui sort sur le marché, il faudra forcément adapter les techniques et puis améliorer les gestes, mieux comprendre et diagnostiquer les différents composants électroniques. Et bien évidemment, de plus en plus, c'est des objets qui sont collés, soudés, et dont le fait de les démonter devient de plus en plus complexe. Donc ça nécessite de nouveaux objets, de nouveaux outils et de nouveaux savoirs. Et en parlant d'outils, justement, un des aspects qui nous a semblé intéressant avec Nicolas, c'était l'utilisation d'outils qui étaient souvent bricolés par les techniciens eux-mêmes, qui étaient souvent améliorés, parce que, évidemment, comme c'est des structures qui fonctionnent un peu en périphérie, le savoir, les objets utilisés évoluent et ne sont pas forcément de premier cri. Et là, en l'occurrence, on voit donc le microscope d'un technicien qui a été amélioré par le technicien lui-même pour pouvoir justement répondre à ses besoins. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais donc le technicien s'est emparé d'une coque de téléphone qui était dans la boutique, qui était invendue, et dans laquelle se trouvaient des LED, donc une lumière, en fait, pour... je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais peu importe. Donc, le technicien s'est emparé de cet élément et l'a utilisé pour améliorer son propre outil de travail, pour mieux voir ce qu'il était en train de réaliser lorsqu'il faisait justement la micro-soudure. Donc, ce qui est hyper intéressant, justement, c'est cette capacité à créer, à être inventif et à être capable de solutionner des problèmes qui émergent en fait au quotidien dans ces espaces. Et c'est également un des aspects qu'on a voulu valorisé dans la publication. Un autre aspect dont Nicolas va vous parler, qui concerne justement le degré d'expertise et la pratique du métier de technicien de smartphone, c'est le fait de travailler en équipe, en réseau, et de faire appel à des membres de sa famille ou à des collègues potentiellement dans différents types de situations. Donc, Je reprends le relais, merci Anaïs. Une petite précision par rapport à une question au-delà de la réparation qui nous intéresse dans cette présentation, c'est celle des choix formels et comment on restitue les différentes considérations ou les enjeux que l'on présente ici. Là, vous voyez, on présente ces planches sont très proche de ce qu'il y a dans le livre, mais c'est une espèce d'objet intermédiaire. C'est ce qui pouvait se trouver alors dans les carnets d'Anaïs, mais également dans certains des fanzines, et puis dans la montagne de notes sur nos bureaux, sur les murs ou sur nos Dropbox. Et il y a un point qui me semblait intéressant de mentionner avant de vous parler du fonctionnement collectif, c'est le fait
Vous l'avez peut-être vu dans les dessins. Il y a certes, enfin, les dessins essaient d'être très précis sur beaucoup d'aspects, mais il y a parfois la taille des mains ou la présence des yeux qui sortent du visage peut-être vous avoir frappé hein, dans ces vignettes dessinées. Ça fait partie aussi de l'idée de mettre en avant l'importance du corps et de sortir d'une représentation hyper réaliste pour marquer, par exemple ici, l'importance des doigts. Donc, sur des planches, c'est du visage, l'importance de la manipulation. Donc, il y a un travail qui a été effectué, hein, on pourrait dire, entre l'observation et la restitution, de réinterprétation, de reconstitution d'un enchaînement de gestes pour matérialiser certains des éléments qui sont discutés soit dans la légende de l'image, soit plus tard dans le texte hein, qui est dans le livre. Alors, dans le cadre, par exemple, du fonctionnement en réseau, hein, le fait, par exemple, de montrer qu'être réparateur ou réparatrice, ce n'est pas être tout seul dans son coin, c'est être avec d'autres gens. Ça, on l'a représenté hein, au travers d'un certain nombre de vignettes dessinées, hein, qui sont, par exemple, la manière dont un des réparateurs évoquait un groupe WhatsApp qu'il utilisait pour partager des problèmes, partager un besoin spécifique, hein, qui peut être pièce détachée, qui peut être un problème avec un écran. Ce fonctionnement en réseau qui peut être très local au sein d'une même ville, hein, par exemple ici, c'est à Lausanne, je crois, peut aussi déborder sur des espaces territoriaux voisins, hein, avec une autre ville, hein, par exemple à Genève, dans lequel une personne a construit sa réputation comme spécialiste du reconditionnement, c'est-à-dire d'avoir certaines machines qui vont pouvoir traiter certains écrans pour pouvoir les utiliser, mais aussi plus largement sur d'autres territoires, par exemple, là on est en Suisse, mais par exemple avec un cousin ou un collègue en France qui va tenir une boutique, par exemple, de pièces détachées, hein, c'est ce qui est présent à droite, avec un des gérants de boutiques qui avaient 4 boutiques à Genève, avaient aussi une boutique à Lyon, uniquement pour les, enfin, uniquement, principalement pour les professionnels, mais aussi les gens du quartier, dans le quartier de Lyon qui était concerné, mais qui pouvaient travailler avec beaucoup de boutiques hein, en Suisse et en France pour un élément extrêmement intéressant et important pour ces boutiques, qui est l'accès à des pièces détachées de bonne qualité hein, qui ont été documentées par Anaïs hein, lorsqu'elle a fait un séjour en Chine, en particulier à Shenzhen, hein, dans le centre commercial de Wakiangbei, hein, qui est, vous avez quelques photos ici, hein, un des endroits au monde hein, d'où viennent la majorité des pièces détachées de smartphones, et que d'un point de vue formel, même si notre enquête était strictement en Suisse, on a, au-delà des 16 portraits dont je vous ai parlé, on a fait un 17e portrait qui n'est pas vraiment lié à une personne, mais lié à ce centre commercial de Wakiangbei. D'ailleurs, les choix, je ne sais pas ici, mais les choix visuels des personnes sont plutôt sous la forme de... On n'a pas marqué des visages, on a juste montré des silhouettes qui étaient là pour montrer en fait la façon dont... ces boutiques ici à Genève sont connectées avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas toujours les mêmes dans ces boutiques, et qu'une des qualités des réparateurs, ça va être de construire un lien de confiance avec certaines des petites boutiques et fournisseurs de pièces détachées à Shenzhen, hein, dans ce grand centre commercial. Je vais peut-être repasser la parole à Anaïs pour la partie documentation. Donc effectivement, un autre aspect qui nous intéressait, c'était comment les personnes qui réparent, qu'on a pu rencontrer, documentent et construisent justement ce savoir alors qu'il est en train de se dérouler. Donc très souvent, on a constaté que les techniciens, souvent les techniciens qui étaient justement capables de faire, d'effectuer les opérations complexes telles que la microsoudure, garder une trace des différents types d'opérations et des différents objets qui passaient dans les boutiques dans l'optique justement de pouvoir réparer à nouveau des objets similaires, et que d'une certaine manière, ainsi, ils construisaient leur propre
leur propre carnet de réparation personnelle. Et c'était vraiment des objets, disons, que chaque technicien avait, disons, avec lui son propre carnet de recherche selon les différentes pannes qu'il ou elle avait pu rencontrer. Et là, en l'occurrence, on voit sur cette image, donc il y a beaucoup de conversations entre les techniciens, comme on l'a dit précédemment. Et donc sur le dessin côté gauche, la gérante d'une des boutiques qui discute avec l'un des techniciens et qui prend une photographie en fait d'une panne visiblement assez complexe que le technicien vient de réussir à solutionner. Et donc elle souhaite garder une trace en fait de comment il s'y est pris pour essayer de pouvoir résoudre ce type de problème dans le futur. Et il faut savoir donc que c'est des images que j'ai pu prendre parce que j'avais construit un rapport avec ces personnes-là, qu'elles avaient confiance en moi, mais que c'est des documents qui sont peu partagés au sein de la communauté de réparateurs, si on peut dire ça comme ça, parce que justement, c'est des objets assez précieux et assez personnels que comme on ne peut pas forcément trouver. Donc, bien sûr, il y a des documents en ligne qu'on peut trouver sur des tutoriels comme sur, par exemple, iFixit, qui est une sorte de site internet d'une communauté de gens qui réparent, sur lesquels on trouve ce type de données, mais ça ne va pas aussi loin. Et donc, dû à ça, on a pu constater justement que souvent, c'était des documents qui n'étaient pas forcément... partagé. Donc ici encore une image du carnet de ce technicien avec qui j'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps, qui a été d'accord de partager avec moi ses propres recherches et découvertes qui sont relativement complexes si on regarde un peu plus en détail ce qui est écrit sur l'image. Donc voilà. Donc je laisse peut-être Nicolas vous présenter la dernière partie de nos trouvailles qui concerne l'aspect innovant de ces espaces. Voilà, donc juste un dernier point sur la question de réparation et innovation, et ensuite je ferai une petite conclusion sur la question des formats et de recherche-création. Donc ce dernier point, c'est que comme vous vous rappelez le point de départ qui était d'investiguer ces lieux de réparation pour saisir en gros comment elles participent d'augmenter la durabilité d'objets comme le smartphone, un point qu'on n'avait pas anticipé, hein, qui est apparu durant l'enquête, c'est de voir qu'il ne s'agit pas uniquement dans ces boutiques de réparer, de remettre à neuf, il s'agit en fait de jouer un rôle qu'on pourrait qualifier d'innovation sociale, c'est-à-dire l'innovation dans le sens production de changement social et de nouveauté qui se diffuse, mais qui n'est pas liée uniquement à une technologie, qui est plutôt liée à des pratiques. Hein, et on a constaté que les réparateurs et quelques réparatrices qu'on a pu voir jouaient un rôle en fait qui participe en fait d'une construction chez les gens qui ont des smartphones, hein, on dit en anglais media literacy ou d'une littératie numérique, hein, c'est-à-dire d'un ensemble de compétences qui peuvent s'acquérir sur le fonctionnement technique ou des usages de certains de ces objets numériques et qui peuvent être liés en partie à comment ça fonctionne, c'est-à-dire de recueillir, techniquement, le réparateur va donner des conseils sur comment ça fonctionne. On voit la scène, enfin la photo au milieu, cette fille qui se fait expliquer le fonctionnement de la carte mère d'un smartphone. Donc ça se joue à un niveau d'explication technique, mais ça se joue aussi au niveau d'aide qui peuvent aller sur une dimension sociale, hein, sur la droite, avec par exemple des personnes qui viennent et qui doivent faire une opération administrative auprès de la municipalité, de l'État, du canton, et qui ne savent pas comment faire, hein, ou d'une entreprise privée, et qui vont avoir besoin de demander en fait aux réparateurs d'aider à prendre un rendez-vous chez les médecins. On en a vu aussi qu'ils n'arrivaient pas à faire leurs impôts, leurs déclarations d'impôts, et qui allaient dans les boutiques. Donc il y a un peu cette espèce de rôle de médiation numérique, hein, comme au même titre que
Ouais, le rôle d'écrivain public hein, qui pouvait exister auparavant peut être perçu par les gens qui ont des objets numériques et qui ne savent pas bien comment les utiliser et qui vont dans ces boutiques. Et de manière, là je boucle par rapport à la question de départ sur la dimension environnementale, ce sont aussi des lieux en fait, de diffusion de pratiques de durabilité, hein, d'explications verbales, avec des documents, des flyers, de comment mieux utiliser la batterie, faire attention à Bluetooth, faire attention à, je ne sais pas, tel ou tel fonctionnement de la technologie qui pourrait l'endommager, comment mieux faire durer sa batterie. Et donc, de manière assez symbolique, hein, je trouve que ce qu'on a vu dans cette enquête avec Anaïs, c'est que beaucoup de ces espaces de réparation, et surtout les boutiques, en fait, finalement, font advenir tout un ensemble de promesses qui, au milieu des années 2000, avaient été attribuées au hackerspace, au Fab Lab, hein, de lieux qui permettraient de se réapproprier les technologies, de mieux les utiliser ou de les réparer. En tout cas, en Suisse, ça s'est moins produit dans les hackerspace et les Fab Lab, mais plus dans ces boutiques de réparation, avec en gros une espèce de positionnement extrêmement curieux, parce que c'est d'un côté dans l'économie capitaliste, hein, c'est-à-dire société marchande, les réparateurs de ces réparatrices de ces boutiques font payer leurs prestations, mais en même temps pour d'autres, hein, aider à prendre rendez-vous, parfois venir boire un café et juste discuter de son smartphone qui a été réparé il y a 2 semaines, tout ça n'est pas voilà, il n'y a pas d'échange monétaire, hein, c'est plus la participation à la vie sociale d'un quartier, hein, comme le disait un des gérants que l'on a rencontré, qui fait sens. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, ça rappelle un peu ce que l'anthropologue Anna Ting décrivait dans son livre sur le champignon de la fin du monde, hein, dans lequel elle décrit dans les forêts d'Oregon comment des gens qui sont là pour des raisons pas forcément professionnelles, un peu abandonnés par la société, ramassent des champignons pour leur plaisir, mais en même temps les vendent et les remettent en circulation dans la société capitaliste pour que ça atterrisse dans les assiettes de consommateurs japonais qui sont prêts à payer extrêmement cher ces champignons. Et donc, Anna Ting parle de patch, hein, c'est le terme qu'elle utilise dans son ouvrage. Là, on a quelque chose qui est proche, hein, dans certaines de ces boutiques, hein, on pourrait appeler ça des digital patch ou patch numérique, hein, qui, par des formes de bricolage, de rétro-ingénierie, hein, dont a parlé Anaïs, bah, participent en fait d'une sorte d'innovation sociale assez silencieuse, en tout cas en Suisse, très négligée, hein, dans le sens où les consommateurs y vont, mais pas forcément les pouvoirs publics n'y font pas très, très, très attention. Donc ça, c'est une conclusion sur le thème de la réparation des objets numériques. Maintenant, juste pour dire quelques mots, hein, on aura l'occasion d'en reparler après, mais sur le côté recherche-création, ce que vous avez là, donc il y a évidemment, c'est une enquête de terrain, même si je l'ai présenté sans trop théoriser, c'est un travail de sciences sociales, mais vous voyez qu'un certain nombre de choix qui ont été effectués sont quand même inhérents au fait qu'on a travaillé avec Anaïs au carrefour des sciences sociales et de formes de création, hein, qui peuvent être proches du design graphique avec Raphaël Vérona, proches du dessin d'observation, de la bande dessinée, avec Anaïs, et qui ensuite, quand il s'agit, hein, de travailler sur la restitution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend compte des phénomènes que l'on a étudiés, amène en fait à mettre en jeu tout un ensemble de compétences, hein, et donc à partir du moment où on a recueilli une matière qui nous incitait à faire des choix plutôt visuels avec de l'image, de la photo et de la bande dessinée, et de se rendre compte du format, que le format portrait pourrait être intéressant. Bah, globalement, la suite du terrain, c'est-à-dire à partir d'un an, un an et quelques mois, la suite du terrain a été nécessairement, on pourrait dire, colorée ou en tout cas influencée par les choix formels qui nous intéressaient, c'est-à-dire de construire un éventail de portraits qui se traduirait sous la forme d'un livre papier. Et donc, c'est juste un point que moi qui me semble, je trouve intéressant à relever, c'est qu'il y a une espèce de mouvement de va-et-vient entre l'incertain ou l'ambiguïté du terrain originel, c'est-à-dire
globalement, on va faire une enquête ethnographique de X mois et on aura une matière très riche. Donc ça, c'est là un certain des débuts. Et ensuite, le fait de découvrir que le format portrait pourrait être intéressant, qui fait qu'on ne fait pas le terrain de la même manière. Et donc ça, je pense que c'est une des modalités, en tout cas, qui m'intéresse, moi, en termes de recherche-création entre sciences sociales et design, qui consiste, en fait, justement, à arriver assez tôt à focaliser sur la question des formats pour restituer, en fait, ces éléments venant du terrain. Et évidemment, il y aurait plein d'autres options possibles. Une autre option qui pourrait être intéressante, que l'on a finalement peu menée, mais qui aurait pu passer par une logique participative d'organiser des ateliers de réparation. Alors, Anaïs, puis moi, quelque peu aussi, avons participé à des cafés de réparation, mais le fait d'en organiser aurait pu être aussi extrêmement intéressant. Hein. C'est d'ailleurs j'étais chez vos collègues de Concordia University il y a quelques années, quand je présentais le projet, une des étudiantes me disait, mais moi, ce que j'aurais fait, c'est créer une boutique de réparation pour faire une forme de recherche-action. Ça aurait pu effectivement être intéressant dans une dimension participative. Et je pense que ça aurait donné, alors les conclusions, on pourrait s'y approcher, mais les formes de restitution auraient été évidemment très, très, très différentes. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour pouvoir plutôt discuter, échanger maintenant. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Nicolas et Anaïs, pour cette très belle présentation qui, je dois dire, après avoir lu votre ouvrage, répond à plusieurs des questions que j'avais déjà.